La Fonderie Darling, c'est donc un centre d'art visuel alternatif. Alternatif dans le sens où on propose en même temps un pôle de diffusion et un pôle de création, production sur un même lieu. En fait, je dirais plutôt sur deux lieux différents mitoyens, puisque nous avons sauvé de la démolition cette ancienne entreprise industrielle des frères Darling, les Darling Brothers, qui étaient dans le quartier, qui ont monté la compagnie en 1888. Le bâtiment devait être démoli en 91, et grâce à l'action donc de notre organisme quartier éphémère, nous avons réussi à convaincre la ville de Montréal, qui était propriétaire du bâtiment, de nous laisser la chance en fait de faire un montage financier pour pouvoir sauver ces deux bâtiments. Comme vous voyez, on a gardé vraiment la patine du lieu industriel dans l'idée de faire vraiment dialoguer les œuvres d'art contemporaines avec ce passé donc, qui est très fort et ce volume, donc, ce volume assez exceptionnel qui permet d'installer des œuvres de tout acabit, de faire dialoguer les artistes avec le lieu. D'abord pour permettre justement aux artistes de développer des nouvelles approches de l'art, de faire de l'art sur le lieu et non pas l'imaginer dans son atelier et juste le transposer ici. Donc il y a vraiment une volonté de fusionner. Puis en même temps, ça permet au public de rentrer dans un univers justement où on sent que l'artiste et le lieu ont dialogué ensemble, qu'il y a vraiment quelque chose de spécial, de spécifique qui s'est passé. Mais nous avons également une petite galerie qui permet en fait de montrer toutes sortes de formes d'art. Et également, on a un espace à l'extérieur qui est un espace de diffusion qui pour nous est en fait une troisième galerie, entre guillemets, à laquelle on aurait enlevé deux murs et un plafond, qui nous permet justement d'offrir des nouvelles propositions d'art visuel, donc autant en termes d'art public temporaire qu'on aimerait justement voir développer au fil des saisons, mais aussi avoir cette interaction avec un public qui n'est pas forcément averti à l'art, mais pour nous, c'est un moyen de développer nos publics. La Fonderie Darling veut vraiment soutenir la création et la production d'œuvres d'art actuelles. Pour ce faire, il y a d'abord donc un soutien aux artistes eux-mêmes, donc qui sont vraiment à la source, je dirais, évidemment des œuvres d'art. Donc, nous soutenons leur création en mettant à leur disposition des ateliers d'artistes, donc qui sont vraiment à moindre coût puisque nous sommes propriétaires du bâtiment. Et au-delà de ça, nous cherchons des parrains, donc des personnes, collectionneurs, entreprises, institutions, qui prennent en charge, en fait, pour l'artiste, ses frais, pour libérer l'artiste de toute, je dirais, contrainte financière, pour lui permettre de travailler dans un sens très, très élargi, et en plus, qui lui donne une bourse pour travailler. Donc, le but, c'est vraiment de donner aux artistes tous les outils en termes d'espace, en termes de réseautage, en termes de capacité, donc de travailler dans les meilleures conditions, pour vraiment élargir en fait le monde des arts visuels. Alors, House of Dust est une œuvre qui date de 1967 de l'artiste américaine Alison Knowles. Elle était à l'époque impliquée dans un workshop proposé par un ingénieur et compositeur qui s'appelait James Tenney. Et James Tenney avait la volonté de transmettre à certains ses amis artistes Fluxus des connaissances concernant la programmation informatique. Et Alison Knowles est ressortie de cette expérience avec une proposition qui consistait à faire une liste de quatre listes, de matériaux, de contextes, de systèmes d'éclairage ou lumineux et de gens qui habitent des maisons. Et elle a proposé ces quatre listes qui contiennent entre 28 et 6 variations différentes
elle a donné cette liste à James Tenney, qui a produit avec un ordinateur des permutations aléatoires de ces quatre listes. Il en ressort des quatrains, avec à chaque fois, par exemple, « A house of dust in a metropolis using all-available lightning inhabited by people who eat a great deal », ou « A house of bricks », ou « A house of sand », ou « A house of paper », ou voilà. Donc, il y a ces quatre listes produisent à peu près 84 670 permutations possibles, et qui, évidemment, si on compare ça au programme architectural et à la manière dont on fait usage du langage, produit des rencontres improbables, des rencontres auxquelles on n'aurait pas pensé, et qui forment d'une certaine manière la dimension poétique d'imprévu et de hasard. Alors cette œuvre, elle a, à mon sens, soulevé un certain nombre de questions à la fin des années 60, qui sont des questions cruciales, qu'il est question aujourd'hui de réadresser, de resoulever. Alors, à l'époque, c'était des questions qui avaient trait à la manière dont, notamment, l'administration, le politique, la publicité, faisaient usage du langage. Un langage extrêmement rationalisé, extrêmement paramétré, extrêmement contrôlé. Et la cybernétique, dans son histoire, la cybernétique avait pour ambition, depuis les années 40, de contrôler le langage, d'augmenter la performativité du langage pour arriver à un langage qui soit de plus en plus transparent. Là, à l'inverse, Alison Knowles, elle utilise l'outil cybernétique pour faire exploser les possibilités de signification. Donc multiplier, libérer, émanciper les sujets d'un langage qui serait trop administré, trop rationalisé et trop paramétré, ne laissant aucun espace à l'imaginaire. Et à mon sens, ce sont des questions qui aujourd'hui sont cruciales et qui, on le voit à travers les propositions d'artistes actuelles, nécessitent de toujours être adressées, de toujours être questionnées et de toujours pouvoir permettre une ouverture, une prolifération de la signification plutôt que son amoindrissement et sa soumission à une autorité. Cette exposition, elle provient d'un programme de recherche et d'exposition qui s'appelle Art by Translation. C'est un programme de recherche et d'exposition internationale dont la base est à Paris, entre trois institutions, deux écoles d'art et un centre d'art, et qui a 12 partenaires dans différents pays, dont le Canada, la Fonderie Darling, et on travaille avec des institutions à New York, donc des universités, des écoles d'art et des centres d'art. Là, c'est la première itération de Art by Translation, et on a choisi pendant 3 ans de traiter de la question de la traduction dans les arts, c'est-à-dire la traduction à la fois d'une langue vers une autre, mais aussi la traduction, ce qu'on appelle interlinguistique, c'est-à-dire la métaphore. Par exemple, utiliser une métaphore plutôt qu'un terme, c'est un acte de traduction. Et la troisième procédure de traduction, c'est ce qu'on appelle la traduction intersémiotique, c'est-à-dire traduction, par exemple, d'un médium vers un autre. Passer de la musique à la peinture, ou là, en l'occurrence, passer d'un poème à une matérialisation architecturale. Donc cette œuvre, elle était pour nous absolument emblématique de certaines procédures de traduction qui n'étaient pas des traductions transparentes, qui n'étaient pas des traductions qui étaient vouées à maintenir ce que voudrait l'ordinateur, hein, une analogie d'une langue à une autre ou d'un médium vers un autre, mais au contraire, une traduction qui puisse être inadéquate, qui puisse être ouverte. Donc cette œuvre était très très emblématique et évidente pour nous, en ce qu'elle avait cette potentialité de produire une succession d'actes de traduction et donc d'interprétation. C'est en fait une partition qui est interprétée en architecture, et cette architecture qui donne lieu à d'autres interprétations artistiques. Dans le cadre de cette exposition, et c'est assez singulier par rapport aux autres expositions qu'on générait de House of Dust,
On a invité un collectif d'artistes qui s'appelle le Constructed World, un collectif d'artistes australiens. Et ils ont proposé une interprétation d'un quatrain qui implique, donc un des quatrains du poème, qui implique, enfin qui est habité par des poissons et des oiseaux. Et donc ça posait la problématique de être l'habitation par un, par l'autre, un autre, l'autre animal. Et donc c'est aussi une forme de traduction, ça, une forme de tentative de communication ou de mass communication entre soi et l'autre. Et donc ensuite, d'autres pièces ont été générées à partir de, ou en réponse ou en dialogue avec, avec cette pièce-là, qui interroge de différentes manières cette question de la communication interespèce et donc de la traduction entre des langages humains et non humains. Et donc non humain, ça prend la forme de communication avec l'animal, mais aussi avec les plantes, avec des formes extraterrestres. Et voilà. Et même avec, il y a même une communication totalement non verbale ou physique qui est celle d'une résonance, des effets de résonance. Et donc un des artistes a proposé de jouer des effets de résonance pour détruire le système capitaliste. Alors, il y a différentes situations. Il y a d'abord celle de Joshua Schwebel, qui lui est un des participants à Art by Translation. On a lancé un appel à candidature et il a postulé. On a beaucoup aimé son travail et on l'a invité à faire partie du programme. Lui-même a invité une artiste qui s'appelle Nicole Fournier, qui va installer une pièce qui en fait va être permanente à la fonderie Darling et qui va participer à une conférence autour de la question de la communication interespèce. Et faire une performance dans ce cadre-là. Et puis, on organise aussi un atelier autour d'une pièce qui est connectée à The House of Dust, qui s'appelle Proposition for Squid, qui est un des heaven scores, les partitions qui peuvent être activées par des amateurs, par n'importe qui, en fait. Et donc, on propose un atelier pour réfléchir sur la question du jeu Fluxus, sur la question de la partition, qu'est-ce que ça veut dire d'être un interprète de l'œuvre de l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et cet atelier va donner lieu à une performance sur la place publique. Donc il y aura une œuvre d'un artiste anglais qui s'appelle Martin Hawes qui fait écrire des vers de terre, en fait, pour le dire très, très simplement. C'est des vers de terre qui vont être présents et qui dont le mouvement dans une urne va générer des sélections dans du texte et donc écrire du langage. Donc pour nous, il y avait un lien avec un soft dust qui était aussi assez évident, qui était celui de l'aléatoire, mais cette fois-ci l'aléatoire ne vient pas de la machine, mais vient d'une espèce animale. C'est une pièce qui a été, sont deux œuvres de Jonathan Keats, qui est un artiste américain qui a été invité dans l'exposition par Daniela Silvestrin, qui est la commissaire qui participe au programme Art by Translation. Et il fait un dîner pour plantes, un télé-dîner pour plantes, TV Diner for Plants. Et donc l'idée, c'est qu'on a un rapport qui est très utilitariste à la nature. On l'a fait croître pour qu'elle nous nourrisse, donc il y a vraiment un rapport de extrêmement hiérarchique. Et en fait, on se rend compte de plus en plus dans les recherches scientifiques que les plantes ont en fait une vie extrêmement complexe et qu'il y a des moyens de penser une forme de communication entre nous et les plantes. Et donc, ça fait partie d'une pièce plus large qui est un restaurant pour plantes. Et donc, il a étudié les différents principes de photosynthèse des plantes en fonction de différentes couleurs. Et donc, il a créé des recettes de couleurs pour les plantes. Il a une autre pièce qui a à voir avec la communication extraterrestre où il interprète un signal qui a été reçu dans les années 60 qui est un signal qui est resté inexpliqué et donc il propose de l'interpréter sous forme d'art conceptuel. C'est-à-dire pourquoi, en fait, la question qu'il pose, c'est pourquoi quand on essaye d'interpréter des signaux envoyés ou potentiellement envoyés par des formes
extraterrestres, on part du principe que ce sont des données scientifiques ou qu'il y a une tentative de communication sur un mode technique. Et donc lui dit, mais en fait, si ça se trouve, il communique sur un mode artistique et donc il nous aurait envoyé des propositions artistiques. Alors Lou Maria, c'est une artiste française qui participe au programme Art by Translation, et son idée c'était de rendre compte de la recherche collective et de la dimension processuelle et générative à la fois de la recherche et des œuvres qui ont été créées tout au long de l'exposition. C'est très connecté à l'histoire de House of Dust, qui était elle-même génératrice de communautés et d'échanges et de transformations constantes. Et donc ce qu'elle propose, c'est une sorte de cartographie de nos échanges et de tout ce qui va se passer dans l'exposition. Donc au fur et à mesure du développement de l'exposition, il y a des éléments qui vont être ajoutés à cette cartographie. C'est une œuvre d'Aurélie Pétrel, qui est une artiste française qui travaille beaucoup avec la photographie, avec un principe d'activation de la photographie. C'est-à-dire qu'elle considère ces images comme des images latentes qui ensuite sont activées dans des structures de présentation et qui mettent en évidence les processus de transformation et de traduction auxquels ont été soumises ces images. Et donc pour nous, c'était intéressant le lien entre ces processus de traduction et les processus de traduction qui étaient à l'œuvre dans The House of Dust. Donc pour cette exposition en particulier, elle présente matérialise une recherche qu'elle a réalisée autour de l'architecte Peter Eisenman. Et donc il y a beaucoup de liens, alors ce serait peut-être un peu complexe de les expliquer, mais il y a beaucoup de liens entre Eisenman et Alison North, notamment le principe des liens entre langage et architecture, le principe d'une migration de formes et de transformation contextuelle. Et en même temps, il y a une très grande différence qui est que d'un côté on a une sorte de rigueur conceptuelle et de soumission à une forme de logique assez froide, qui finalement exclut toute idée d'incarnation, d'humain presque. Eisenman crée des bâtiments qui finalement étaient très inhospitaliers. Et Alison Knowles, c'est tout le contraire, c'est des formes organiques, c'est de l'accueil, c'est la liberté de transformer sans cesse la structure par ses habitants. Et donc la proposition d'Aurélie Pétrel rend vraiment compte de cette tension, c'est-à-dire qu'elle installe une grille dans l'espace, et la manière dont elle présente ses photographies, c'est quelque chose de très souple, de très... Donc elle rend compte de cette tension. Et puis d'une recherche en transformation, il y a beaucoup de choses de l'ordre du chuchotement, de la trace, de choses qu'on ne comprend pas très bien. Et voilà, donc cette tension était intéressante. Donc un des projets de l'exposition, c'est un projet de l'artiste américain Jeff Guess, qui est le directeur pédagogique de Art by Translation. Donc il est très important dans le programme et dans cette exposition. Et il s'est intéressé à des projets scientifiques qui ont essayé d'apprendre le langage humain à des animaux, et notamment dans les années 60 et 70, un programme qui s'appelait LANA, Analog Language, Language Analog, et qui a essayé d'apprendre à un chimpanzé à communiquer à travers un langage de pictogramme et à travers un ordinateur. Et donc elle s'adressait aux scientifiques à travers cet appareil, et elle pouvait construire des phrases plus ou moins grammaticalement correctes, et si elles étaient grammaticalement correctes, elles recevaient une forme de récompense. Et donc ce que Jeff Guess propose, c'est de représenter, de matérialiser le champ des possibles langagiers de l'ANA, c'est-à-dire tout ce que l'ANA avait la possibilité de dire. Donc cette sorte de limitation est à la fois beaucoup plus vaste que ce qui s'était imaginé au départ, mais ce champ fini de possibles en termes de langage, et qui en fait correspond au champ fini des possibles de l'ordinateur à la même époque. Donc il y a cette sorte de limitation.
ne suis pas sûre qu'il y ait un message. Je pense qu'il y a une sorte d'invitation à la liberté de s'emparer de choses existantes, à les transformer, à participer. Et en même temps, cette idée d'hospitalité qui est assez centrale, hospitalité vis-à-vis de l'autre, et qui est présente dès le départ dans l'idée de partition. C'est-à-dire, quelque part, la partition, c'est une idée de partage de l'authorship, c'est le partage du statut d'auteur. On laisse à l'autre la possibilité d'interpréter, donc on laisse une place à la subjectivité de l'autre. Et là, la subjectivité de l'autre, c'est aussi celle de l'animal, des plantes, et puis de l'autre, son voisin aussi. Donc je pense que c'est ces deux notions, d'être à la fois invité à s'emparer des choses et ce sens de l'hospitalité et de l'ouverture. La première itération de l'exposition a eu lieu à New York, à l'université de CUNY, en septembre 2016. Et c'est une exposition qui voyage. Alors, ça ne voyage pas avec les mêmes artistes, et ça ne sont jamais les mêmes œuvres. C'est-à-dire que, dans la mesure où il s'agit d'une partition, les interprétations sont toujours différentes, les médiums sont toujours différents, et les artistes, quand bien même ce seraient les mêmes artistes, les œuvres qu'ils produisent ne sont pas les mêmes. Parce que ce sont évidemment des partitions qui sont très sensibles au contexte, et donc qui répondent avec l'environnement. Ce qui nous intéressait aussi particulièrement à Montréal, c'est d'abord le contexte de la Fonderie Darling, qui est un contexte exceptionnel, avec des gens, une équipe qui est vraiment remarquable, avec lesquels on s'entend vraiment, et un endroit où, historiquement, il y a une tradition de bilinguisme qui est extrêmement stimulante pour notre sujet, la traduction. Puisqu'il n'est pas question forcément d'une langue originaire qui sera censée être traduite dans une autre, mais de deux langues qui cohabitent dans un même espace. Et cette histoire-là nous semblait aussi intéressante par rapport à House of Dust, par rapport au sujet qu'on entend aussi développer dans la série, notamment de conférences qu'on a organisées et qui vont avoir lieu pendant tout l'été. Ici, ce qu'on favorise beaucoup, en fait, c'est cette rencontre entre public et artiste directement. Et c'est là où moi, j'aimerais mener la Fonderie Darling dans 15 ans. Puis je pense que ça sera peut-être mes dernières années de combat ici. Mais j'aimerais vraiment que les gens se disent, OK, on va à la Fonderie Darling parce que c'est là que ça se passe, l'art actuel. Puis on est à la source de ce qui se fait aujourd'hui et de ce que l'on va célébrer demain.